Hello, my name is Andréanne Langevin. I'm a student at DICE. I study language policy and more specifically language policy in the Quebec education system. In May 2021, the government of Quebec tabled a new bill called Bill 96. In essence, this new language legislation seeks to modernize its predecessor, Bill 101, also known as the Charte de la langue française, by amending 201 of its provisions. Bill 96 was tabled by Minister Simon Jolin-Barrette, the minister responsible for the French language. In the fall of 2021, Jolin-Barrette's cabinet selected 51 speakers or special interest groups to testify before the National Assembly and share their opinions on the new bill. They were also invited to submit a written memoir stating their positions on some of the proposed amendments. The hearings were held over 9 days, and they amount to more than 40 hours of recording. This is a viewer's digest of the meaningful moments from day five. Constatant que le travail est un facteur puissant d'intégration pour les immigrants, l'effort du gouvernement sera mis sur l'imposition du français comme langue de travail. Le SPGQ juge que le français doit être la norme dans toutes les relations de l'administration publique québécoise. Toutefois, le syndicat estime que certaines exceptions doivent permettre l'utilisation d'une autre langue, notamment dans les communications avec les communautés anglophones et les nations autochtones. Également, ces exceptions sont nécessaires pour accueillir les personnes immigrantes à leur arrivée et durant une période d'adaptation à déterminer. D'autres exceptions sont aussi à prévoir pour les personnes travaillant en relations internationales, en santé, en services sociaux ou encore en sécurité publique. À titre d'employeur, le gouvernement devra veiller à ce que le français comme langue de travail pour les professionnels de l'État soit protégé et utilisé sur le plancher de travail. Il devra se conformer à ses obligations applicables aux travailleurs pour assurer le respect de leurs droits à exercer leur activité en français. Le gouvernement doit aussi veiller à respecter le droit du personnel professionnel de l'État à un milieu de travail exempt de discrimination et de harcèlement liés à l'usage du français ou à leur revendication d'un droit découlant de la Charte de la langue française. Le SPGQ voit d'un bon œil le rôle et les responsabilités accrues confiées à l'OQLF. Mais compte tenu du bilan du gouvernement dans la résolution des problèmes de sous-financement des programmes et de surcharge du travail de ses membres, le SPGQ sera vigilant pour s'assurer que ces crédits additionnels soient suffisants pour répondre aux nouvelles responsabilités confiées à l'OQLF. Le SPGQ s'interroge sur la pertinence de créer une nouvelle structure comme Francisation Québec. Des structures existantes offrent déjà des programmes de matériel et de francisation. Pensons au ministère de l'Éducation, à l'enseignement supérieur, aux universités, aux collèges, au cégep et aux centres de services scolaires. Le SPGQ croit que les infrastructures des établissements existants du ministère de l'Éducation, de même que le personnel, pourraient servir de point de service en étant mieux financés sans devoir en créer de nouvelles. Aussi, une réflexion devra être menée sur l'à-propos que le personnel de la francisation puisse relever du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur plutôt que d'une structure relevant du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Des dédoublements seraient ainsi évités. Le SPGQ juge pertinente la mise sur pied d'un commissaire à la langue française. Toutefois, il estime que les travaux et les décisions du commissaire seraient mieux soutenus en étant appuyés par un comité consultatif. Ce comité pourrait être constitué de membres provenant de différents horizons, mais tous concernés par l'enjeu de la langue française et de la situation linguistique. Cela éviterait une trop grande concentration de pouvoir entre les mains d'une seule personne. Le gouvernement a négligé de renouveler son personnel, malgré des efforts soutenus de sensibilisation du SPGQ, de 2010 à 2020. Les effectifs professionnels du gouvernement en traduction ont fondu de 20 % et la sous-traitance gouvernementale, en traduction, a connu une croissance de 40 %. De plus, les traducteurs de l'État sont les moins bien payés de l'État. Une symbolique importante. Pour soustraire la réforme de la Charte de la langue française à d'éventuelles contestations judiciaires, le gouvernement propose de recourir à la clause dérogatoire. La clause dérogatoire est un outil législatif prévu à la Charte des droits et libertés de la personne et à la loi constitutionnelle. Elle permet de légiférer dans l'intérêt primordial de la population, dans la mesure où existe un objectif urgent et réel. À cet égard, le SPGQ juge que la protection et la préservation du français au Québec constituent des objectifs urgents et réels. Toutefois, il comprend mal que la clause dérogatoire puisse suspendre certains droits fondamentaux
qui n'ont pas à l'être au nom de la langue, de la sauvegarde de la langue. Le SPGQ est soucieux de préserver la langue française, mais aussi les droits prévus aux chartes. En outre, l'article 10 de la Charte précise que toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la langue. À ce titre, le SPGQ estime que le PL 96, en recourant à la clause dérogatoire, peut compromettre ce droit, entendu qu'il s'avérerait discriminatoire d'opérer une telle distinction, exclusion ou préférence. Selon le SPGQ, la Charte de la langue française doit contribuer à préserver l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux des citoyennes et citoyens. Qu'est-ce qui vous amène à émettre ce commentaire-là d'une façon aussi forte pour insister sur le fait que le travail dans la fonction publique, ça doit se passer en français et que, bon, il y a certaines exceptions dans certains cas particuliers, mais quelle est l'importance de ça? J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui travaillent dans des institutions gouvernementales dans la grande région de Montréal, dans la grande couronne montréalaise, et qui disaient que sur le plancher de travail, il y avait énormément d'échanges entre les employés dans d'autres langues que le français, qu'ils étaient inconfortables avec ça et qu'ils souhaitaient que l'employeur fasse quelque chose. Le SPGQ a agi auprès des employeurs à cet effet-là. Et les employeurs nous ont dit être menottés et se sentir mal à l'aise parce que ça pourrait être considéré comme une discrimination s'ils intervenaient sur la langue parlée sur le plancher de travail entre les employés pendant les heures de travail. Alors là, on s'est dit, OK, il y a un problème là. Il doit y avoir une loi qui dit, non, sur le plancher de travail, on parle français, on échange en français. Et à l'heure du dîner, utilisez la langue que vous voulez, là, je comprends, là, c'est du temps personnel, mais pas pendant les heures de travail. C'est ce qui a amené le SPGQ à se positionner. Puis je pense que vous le savez tous, la langue, c'est un lieu commun de rassemblement. Si on parle tous la même langue, au même moment, dans le même lieu, on va se comprendre et on va être capable d'échanger. Si, par ailleurs, quelqu'un décide de parler dans une autre langue que je comprends ou que je ne comprends pas du tout, ça risque de créer des schismes entre les équipes de travail et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais je comprends très bien là, que les gens qui se retrouvent entre membres d'une même communauté aient envie d'échanger dans leur langue maternelle, mais pas pendant les heures de travail. Un des enjeux que nous avons constaté, c'est le fait que parfois, à la fois les personnes immigrantes, à la fois les employeurs, n'ont pas qu'une seule porte d'entrée, qu'une seule porte d'accès. Alors, c'est un peu ça qu'on souhaite faire avec Francisation Québec. Notre système d'éducation fonctionne bien. Il y a déjà de l'éducation aux adultes qui se donne. Il y a déjà des gens qui ont les compétences pour le faire. Et on se trouve à créer deux catégories d'employés. Les catégories d'employés qui travaillent pour les réseaux scolaires ou... puis je mets tous les réseaux, y compris collégiaux et universitaires, et les gens qui font de l'éducation à travers un autre ministère qu'on va appeler francisation ou qu'on appelait autrement, alors que ces gens-là ont les mêmes titres d'emploi, et là, on va se retrouver avec, et on se retrouve déjà, avec des catégories d'emploi où un conseiller pédagogique au MR, au ministère de l'Immigration, n'a pas le même salaire qu'un conseiller pédagogique dans un collège ou dans une université. Et là, on se dit... Non, il y a un système scolaire au Québec qui fonctionne très bien. Utilisons-le. Utilisons-le pour accueillir les immigrants. Je pense aux jeunes mères de famille qui vont mener le matin leur enfant, les jeunes mères immigrantes qui vont mener le matin leur enfant à la maternelle ou à la première année dans une école. Pourquoi n'auraient-elles pas accès à une classe pendant la même période de temps qui enseignerait le français et on serait dans le réseau scolaire, on aurait les mêmes balises, les mêmes examens, donc la même conformité. Alors, voilà. Mais dans l'exemple que vous donnez aussi, il y a certains organismes communautaires qui font de l'accueil et de l'intégration également. Et là, il y a les professeurs qui se déplacent du ministère de l'Immigration aussi. Puis, dans une vie précédente, j'étais à l'Immigration. Et il y avait du bon là-dedans aussi, avec le fait que la communauté, c'était un facteur d'intégration aussi. Vous allez pouvoir me dire, bien, écoutez, l'école aussi, c'est un facteur d'intégration. Donc, je comprends que pour vous, vous enverriez Francisation Québec au sein du ministère de l'Éducation. Tout à fait. Et avec les ressources, et je vous répète, là, puis vous m'ouvrez une porte, M. Jolin Barrette, qui est très intéressante. Vous avez raison, il y a des enseignants à Immigration Québec. Regardez comment on paye ces enseignants-là versus les enseignants qui sont dans le réseau scolaire. Allez voir. C'est tragique. Ces enseignants-là sont sous-payés parce qu'ils ne sont pas représentés par les, je dirais pas les bons syndicats, je n'irai pas jusque-là, mais c'est tentant. Vous êtes un petit peu en porte-à-faux avec ça par votre position sur l'utilisation de la clause dérogatoire. Parce que le droit collectif, à quelque part, c'est associé à... Et on veut que la langue soit importante, mais il faudra conjuguer ces deux éléments-là.
et la force de la langue et la force des droits individuels. On n'est pas prêt à y renoncer. Le SPGQ juge que la protection et la préservation du français au Québec constituent des objectifs urgents et réels. Toutefois, et vous n'êtes pas les seuls à le dire, là, je pense qu'on est rendu à 4 ou 5 qui s'inquiètent de suspendre des droits fondamentaux qui n'ont pas l'air à l'être au nom de la sauvegarde de la langue française. Alors, vous allez sur les 2 exemples qui sont donnés, mais maintenant à répétition. Je pense qu'il va falloir s'y pencher sérieusement. En quoi la suspension du droit au secret professionnel, c'est un de vos exemples ou de vos inquiétudes, et celui de ne pas subir de fouilles ou de saisies abusives, ça a été répété. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous pensez nécessaire justement d'inclure ça précisément dans les inquiétudes par rapport aux dispositions de dérogation. Je comprends la volonté du gouvernement de dire on doit trouver les moyens pour que les chartes des droits et libertés n'empêchent pas l'application de la Charte de la langue française. Et on comprend que la gymnastique entre ces deux choses-là va être complexe. Mais vous savez, une fois qu'on a ouvert une porte à une diminution des droits individuels, c'est une porte ensuite qui devient difficile à refermer. Comment on peut faire en sorte de s'assurer que l'application de la loi va se faire en gardant ces droits individuels-là? Bien, peut-être qu'on peut appliquer, je ne suis pas une juriste, là, mais peut-on appliquer la clause dérogatoire à des articles, mais pas à toute la loi, puis choisir? Je ne vois pas en quoi ne pas avoir de mandat a un lien avec la langue. Je ne le vois pas. Là. J'ai beau chercher là, dans ma tête, je ne le vois pas. Hier, j'avais le vertige devant le nombre d'enseignants de français que ça va prendre. Là, j'ai le vertige par rapport aux traducteurs. On a rencontré plusieurs fois cette année les ministres de la Culture pour dire, écoutez, ça ne fonctionne pas, là. On ne peut pas couper constamment les traducteurs. Le rangement salarial des traducteurs, là, au Québec, il y a 3 rangements, 1, 2, 3, le 3 étant le moins payé. Les traducteurs sont dans ce rangement-là. Et c'est dans ce rangement-là, sur 21 000 professionnels, là, il y a à peu près 70 personnes au rangement 3. Ça fait plusieurs fois qu'on dit au secrétariat du Conseil du Trésor, pourquoi il y a 70 professionnels de l'État qui sont sous-payés? Et pourquoi, si on croit la langue, pourquoi ce sont les traducteurs? Les autres, il y avait des agents de communication, si je me souviens bien, là. On est encore dans un dossier de la langue, et je vous dirais, puis là, je vais rajouter sur la pile, c'est majoritairement des femmes. Ce sont majoritairement des femmes. Alors, il y a une ligne, là, de réflexion. Si ça touche la culture, si ça touche la langue, si ça touche les femmes, c'est pas grave. Un francophone unilingue devrait avoir accès illimité à la promotion, à le plus haut niveau possible dans son cheminement. Intéressant, mais sur le plan pratique, est-ce que vous écartez la nécessité d'une connaissance d'une deuxième langue, surtout l'anglais, pour, je sais pas, une coordonnatrice d'approvisionnement ou de l'exportation, disons. Vous parlez d'une ancienne enseignante. Je vous dis simplement que tout être humain peut apprendre une autre langue à n'importe quel âge. Et je ne souhaiterais pas qu'un francophone québécois qui a vécu toute sa vie dans un milieu francophone ne puisse pas atteindre les plus hautes sphères alors qu'il y a des outils qui peuvent l'aider. Actuellement, il y a des gens unilingues anglophones qui occupent ces postes-là. Je ne sais pas ce qu'on fait avec la clientèle francophone à qui ils doivent affaire. La clientèle francophone, vous savez ce qu'elle fait? Elle va se mettre à parler en anglais pour satisfaire, parce que cette personne-là qui est sur cette chaise-là ne parle pas français. Alors, l'inverse... Est-ce qu'on va en convenir que l'exemple que vous donnez est inacceptable? Je suis bien à l'aise de le dire. Alors, pourquoi le contraire serait acceptable? Puis là, vous dites que Francisation Québec, c'est une structure de plus. Il faut que ça reste au ministère de l'Éducation. Les cours, l'organisation des cours, la préparation des cours, on a une expertise dans le secteur de l'éducation, dans les collèges, etc. On va dédoubler cette expertise-là en ouvrant Francisation Québec. Pourquoi ne pas ramener Francisation Québec à l'intérieur du ministère de l'Éducation et que chaque collège, chaque commission scolaire ait son secteur, Francisation Québec? Et là, on a les outils, les programmes, la compétence, les gens. Et ça ne change rien avec le service communautaire. Je veux dire, le lien va se faire à travers le ministère de l'Éducation, ou à travers un collège ou à travers une commission scolaire, plutôt que se faire à travers le ministère de l'Immigration. L'article 45 permet la modification unilatérale, par simple loi, de la Constitution de la province. Il est très clair dans mon esprit que l'article 45 ne s'applique qu'aux modifications constitutionnelles qui ne concernent qu'une province. Et ce,
tant dans leur esprit que dans leur libellé. En d'autres mots, lorsqu'on examine l'article 45, il faut chercher à dégager l'esprit de la modification constitutionnelle envisagée, l'esprit de la modification constitutionnelle souhaitée, de même que l'esprit de la disposition qui est modifiée, le cas échéant. L'article 45 a un grand potentiel, ai-je dit, parce que c'est par l'article 45 que passerait l'adoption éventuelle d'une Constitution du Québec. Et une Constitution du Québec irait beaucoup plus loin que ce que propose le projet de loi 96 en ce moment. De façon, un de ces jours, sait-on jamais, à doter le Québec de sa propre Constitution. J'ai toujours, Madame la Présidente, comme vous le savez, été un promoteur de l'adoption par le Québec d'une loi qui constituerait donc une Constitution du Québec et dans laquelle nous retrouverions, en quelque sorte, la définition du Québec d'aujourd'hui, ce Québec moderne, ce Québec inclusif que nous aimons. Il est très clair que les droits découlant de l'article 133 ne peuvent pas être affectés par une loi québécoise, quelle qu'elle soit. Ça, c'est très clair. Évidemment, la question reste de savoir, bon, quelle interprétation doit-on donner à l'article 133? Déjà, la Cour suprême du Canada s'y est penchée dans différentes décisions judiciaires. Les principes constitutionnels sont tels qu'aucune loi québécoise ne peut aller à l'encontre des droits découlant de l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Je recommanderais à l'Assemblée nationale d'explorer la possibilité de doter éventuellement le Québec de sa propre Constitution, la Constitution du Québec. Mais je recommande à l'Assemblée nationale qu'elle adopte une résolution réitérant sa non-adhésion au rapatriement de la Constitution canadienne et à l'adoption de la loi constitutionnelle de 1982 qui en a découlé. La question des dispositions de dérogation ou des dispositions de souveraineté parlementaire. En quoi ces dispositions-là font partie du fondement du fédéralisme canadien? Si le Canada a choisi le fédéralisme en 1867, c'était entre autres à cause de l'identité particulière du Québec. L'une des raisons fondamentales du choix du fédéralisme, c'était parce qu'il y avait une société qui était différente, parce qu'il y avait une société qui avait une identité qui était particulière, et que dans un État unitaire, cette société-là, ou dans une union législative, comme on l'appelait à l'époque, cette société-là aurait été étouffée. Cette société-là aurait été broyée. Alors donc, le fédéralisme s'est imposé comme étant le mode d'organisation des pouvoirs dans un État qui permettait en même temps de concilier, et l'expression est bien connue, l'unité et la diversité. Et la disposition dérogatoire permet au Québec de faire valoir son identité propre dans le contexte canadien, d'où le lien entre la disposition dérogatoire et, dans le fond, le fédéralisme lui-même. Il n'y a rien en soi d'indigeste, il n'y a rien d'imbuvable dans l'existence d'une disposition dérogatoire. De telles dispositions permettent tout simplement au Parlement au pluriel d'avoir le dernier mot sur certaines questions qu'il considère fondamentales. Le constituant canadien a souhaité avoir une charte des droits et libertés, sauf que ça n'a pas été approuvé par notre Assemblée. Par la non-adhésion du Québec au rapatriement de 1982, évidemment, ce qui explique l'utilisation plus fréquente de la disposition dérogatoire au Québec que dans d'autres provinces canadiennes. Les dispositions dérogatoires telles qu'on les retrouve dans le projet de loi 96 peuvent être utilisées à titre préventif, comme vous l'avez mentionné. C'est-à-dire que, évidemment, ça peut suivre un jugement ou des jugements de tribunaux, mais ça peut être aussi utilisé de façon à parer des déclarations d'invalidité qui ne seraient pas souhaitées par l'Assemblée nationale. Je suis parfaitement sensible à l'idée qu'il y a dans notre société des droits et des libertés individuelles dont je profite. Mais j'appartiens aussi à une collectivité.
Et cette collectivité-là a le droit, parfois, de faire des choix qui lui sont particuliers. Et dans la mesure où ce choix-là est fait au nom du Québec et de son identité, j'accepte d'emblée qu'il puisse y avoir, à l'occasion, l'usage de dispositions dérogatoires. Je me souviens d'avoir travaillé, sous le gouvernement de M. Charest, à ce que la Chambre des communes reconnaisse que les Québécois et les Québécoises formaient une nation. Ce qui a été fait. Ça a été fait grâce au Bloc québécois, notamment. Mais ce que les gens ignorent, c'est que le gouvernement du Québec travaillait aussi très, très fort en coulisses pour que M. Harper reconnaisse effectivement que les Québécois et les Québécoises formaient une nation au sein du Canada. Ça, c'est ignoré par la plupart des gens, mais on a travaillé très, très fort. Donc, il y a plusieurs instances qui ont contribué à cette reconnaissance. J'ai toujours pensé que la Constitution devait être le miroir d'une société. Et la société canadienne, ben, elle se définit notamment par la présence de nations autochtones, mais elle se définit aussi par la présence de la nation québécoise. J'aimerais peut-être vous ramener sur la question des tribunaux québécois et l'interprétation que les tribunaux québécois pourraient avoir de cette modification constitutionnelle. Dans l'accord du Lac-Meech, on reconnaissait le caractère distinct du Québec, mais c'était pour l'interprétation de toute la Constitution du Canada. C'est évident que si vous avez une modification qui touche à l'interprétation de toute la Constitution, c'est évident que ça échappe à la portée de l'article 45. Alors, on revient à cette portée limitée dont je parlais initialement de cet article. La modification souhaitée par le projet de loi 96 ne pourrait pas, à mon avis, porter sur l'interprétation en général de la Constitution canadienne. Peut-être pourrait-elle porter sur l'interprétation de lois québécoises, mais, encore une fois, c'est sous réserve du respect des droits constitutionnels des anglophones. Justement, est-ce que vous constatez que le projet de loi 96 retire ou vient réduire les droits des anglophones au Québec? Si on parle de droits constitutionnels, il n'y a aucune crainte à avoir. La Constitution, telle qu'interprétée les tribunaux, triomphera toujours. Vous êtes à la fois fédéraliste et nationaliste. Souvent, les gens ne nous croient pas qu'on puisse être à la fois fédéraliste et nationaliste. Il n'y a rien d'incompatible entre l'existence d'une nation québécoise et l'existence d'une nation canadienne. La première a un sens sociologique, essentiellement. La seconde, ben, finalement, se transforme sur le plan constitutionnel en un État, qui est l'État canadien. Il n'y a absolument rien d'incompatible entre les deux. Moi, j'étais en même temps ministre des Affaires autochtones. Et je recevais le chef de la Nation Cree, qui, lui, s'attendait à avoir des relations de nation à nation avec nous. Et je recevais le chef de la nation Huron-Wendat. Et j'en avais dans mon cabinet qui niait l'existence d'une nation québécoise. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, ma prémisse de départ, c'est qu'il y avait une nation québécoise. Que cette nation québécoise-là a la liberté de choisir son destin. Mais moi, personnellement, j'ai promu que ce destin-là se fasse dans le cadre du fédéralisme canadien. Beaucoup vont dire que la disposition de dérogation nie l'existence, justement, du pouvoir du juridique et qu'il remet tout dans le pouvoir législatif. Oui, mais justement, c'est normal que dans certains cas, ce soit les élus du peuple qui aient le dernier mot. C'est tout à fait normal. Quant à moi, il n'y a rien là-dedans qui est effrayant. Peut-être parce que j'ai combiné une carrière politique à ma carrière juridique. J'ai le plus grand des respects pour ces deux institutions, pour ces deux sphères du pouvoir. Professeur Binette nous a dit, que vous connaissez par ses travaux, que la modification du gouvernement du Québec quant à la Constitution canadienne, la partie québécoise, était essentiellement cosmétique et que ça ne changeait rien au sort du français, puis qu'en même temps, ça risquait fort de se river le nez aux tribunaux. Moi, je ne partage pas son point de vue que ce soit purement cosmétique. Je trouve que c'est une belle avancée, même si ça ne devait être que symbolique. Ce symbole ne change en rien la trajectoire du Québec quant à l'utilisation du français. Nous, ce qu'on propose, c'est d'intervenir là où ça compte, par l'immigration, par la fréquentation des institutions postsecondaires, le collégial en particulier, là où on trouve qu'il y a un impact. Vous mentionniez d'entrée de jeu
vos projets, vos ambitions par rapport au projet de loi 96, un n'enlève pas l'autre. Il peut y avoir la modification constitutionnelle tout en ayant vos propositions. Nos mesures dans leur projet, absolument. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Il l'a dit, là. Premièrement, oui, je l'ai dit. Il l'a dit. Je peux même le répéter. C'est enregistré, là. Mais je connais assez la politique pour savoir qu'il sera fait bon usage de part et d'autre de mes propos. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Absolument. La très vaste majorité des communications du Barreau du Québec se fait en français. Il arrive toutefois que pour assurer la protection du public, le Barreau doive utiliser l'anglais pour communiquer individuellement avec certains de ses membres. C'est pourquoi nous croyons qu'il est important de préserver la possibilité d'utiliser une langue autre que le français lors d'interactions individuelles, qu'elles soient verbales, écrites et surtout par courriel, avec des membres. Nous souhaitons discuter de l'interdiction pour un professionnel de refuser un mandat pour le seul motif qu'on lui demande d'utiliser la langue française dans sa prestation de service. Cette nouvelle obligation risque de placer certains professionnels dans une situation impossible, susceptible de violer soit une obligation prévue dans le Code de déontologie, soit celle prévue à la Charte de la langue française. Le projet de loi prévoit qu'un professionnel commet un acte dérogatoire s'il ne maintient pas une connaissance du français appropriée à l'exercice de la profession ou s'il refuse un mandat pour le seul motif que les services professionnels devraient être rendus en français. Dans l'état actuel du droit disciplinaire, un professionnel qui contreviendrait à ses obligations peut déjà faire l'objet d'une plainte disciplinaire en vertu de l'article 59.2 du Code de profession si le syndic juge que le manquement constitue une faute déontologique et un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession. Le Barreau du Québec estime donc que le nouvel alinéa de l'article 59 du Code des professions ne laisse pas assez de discrétion afin d'évaluer la gravité du manquement en fonction des circonstances particulières. Enfin, nous attirons votre attention sur la modification permettant à toute personne autorisée à obtenir en français tout document se trouvant dans un dossier d'un professionnel. Cette obligation risque de devenir très lourde en termes de délais et de coûts pour les professionnels et leurs clients, ainsi que pour les autres professionnels qui agissent souvent à titre de cessionnaires et gardiens des dossiers de certains professionnels radiés, décédés ou ayant quitté l'exercice de la profession. Nous avons analysé le projet de loi en ayant à l'esprit l'importance de préserver la confiance des citoyens envers le système de justice. Bien que l'utilisation de la clause dérogatoire soit tout à fait légale, elle ne peut pas porter sur les droits linguistiques que confère l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Les versions françaises et anglaises des textes législatifs et réglementaires ont la même valeur juridique. La prépondérance ainsi donnée à la version française pourrait être considérée comme visant à nier le statut d'égalité des versions françaises et anglaises d'une loi ou d'un règlement, et cela contreviendrait à l'article 133. Le projet de loi vient préciser qu'il ne peut être exigé d'un candidat à la fonction de juge qu'il ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une autre langue que la langue officielle, sauf si le ministre de la Justice et le ministre de la langue française y consentent. Nous croyons que cette modification importante au processus de nomination des juges pourrait porter atteinte à l'indépendance judiciaire et ainsi miner la confiance du public dans l'administration de la justice. Est-ce que pour le Barreau du Québec, il est nécessaire pour être nommé à la Cour du Québec d'être bilingue? Pour assurer le droit à être jugé dans la langue de son choix, on vous rappelle que c'est un droit qui est garanti par l'article 133, c'est un droit constitutionnel. Alors, cette discrétion-là, c'est un pouvoir qui appartient au juge en chef. Bien, je vais exprimer mon désaccord fortement avec votre prétention, mais je vais reposer ma question. Est-ce que pour le Barreau du Québec, pour être nommé comme juge à la Cour du Québec, il est nécessaire qu'un avocat ayant 10 ans de pratique, dans toutes les circonstances, doive maîtriser la langue anglaise? Je croyais avoir répondu déjà à la question. Ce n'est pas la position du Barreau. OK. Le juge, en vertu de l'article 133, peut s'exprimer dans la langue de son choix et rendre le jugement en anglais ou en français comme il le souhaite. Cependant,
lorsqu'on est à la Cour suprême ou lorsqu'on est à la Cour fédérale, bien, il y a des obligations de rendre également le jugement disponible dans les deux langues officielles. Est-ce qu'il y a un enjeu du fait que les Québécois et les Québécoises puissent avoir une copie en français du jugement? Je pense que je vais attirer votre attention sur le fait que le jugement doit être rendu immédiatement et sans délai. Une personne qui est accusée a le droit d'avoir le procès dans la langue, dans sa langue maternelle, une des deux langues. Si c'est l'anglais dans ce cas-ci, et que le jugement est rendu en anglais, et qu'on on oblige la traduction immédiate et sans délai, et que pour des raisons administratives, cette traduction-là immédiate et sans délai ne peut pas se faire, bien, le jugement, il est comme réputé ne pas avoir été rendu, ce qui fait que ce justiciable-là, par exemple, serait en attente d'une remise en liberté, mais resterait emprisonné le temps que la traduction de son jugement se fasse. Dans l'article 7.1, on indique, en cas de divergence entre les versions françaises et anglaises d'une loi, d'un règlement ou d'un autre acte visé au paragraphe 1 ou 2 de l'article 7, que les règles ordinaires d'interprétation ne permettent pas de résoudre convenablement, le texte français prévaut. En application des règles d'interprétation, avec les deux versions, le juge, ce qu'il va regarder, c'est effectivement de rechercher l'intention, mais il ne va pas regarder juste les textes. Il va regarder également quelle est la finalité. Des fois, ils vont aller chercher les débats parlementaires, puis ils vont regarder aussi la disposition dans son contexte, puis ils vont lui donner l'interprétation qui fait le plus de sens. Et notre position, c'est qu'on n'a pas besoin de donner une préséance à la version française parce que les tribunaux vont être capables, en regardant les deux textes qui ont valeur égale, de trouver l'intention du législateur. Atteinte à l'indépendance judiciaire, c'est que ça fait partie de ce concept d'indépendance judiciaire, la nomination des juges et la façon de décrire les postes, si on veut. J'ai besoin d'un juge bilingue parce qu'il y a un volume tel de... Je reviens à la base. Les juges ne sont pas les représentants de l'État. Ils remplissent une charge. Et c'est très important de respecter le principe d'indépendance judiciaire pour notamment obtenir la confiance du public dans l'administration de la justice. Il appartient aux juges là, de décider de ses rôles, de gérer sa cour, et ça va jusqu'à, selon les besoins de chaque district ou de chaque division, s'il y a un besoin d'une personne bilingue ou non. Les accusés, entre guillemets, ont raison, ont le droit d'avoir une audience en anglais ou en français selon l'article 133, justement, vous y référez beaucoup. Avez-vous peur que, justement, s'il y a moins de juges bilingues, ça, déjà les cours sont embourbés, les délais sont très grands. Est-ce que ça peut augmenter ces délais-là? D'obliger la traduction des jugements immédiatement, comme j'ai dit tout à l'heure, pourrait avoir un incident sur les délais. Par rapport à la clause dérogatoire, vous dites qu'elle est anticonstitutionnelle à cause de l'article 133. On ne dit pas que le projet de loi 96 est complètement inconstitutionnel. La clause dérogatoire, comme Maître Pelletier l'expliquait tout à l'heure, c'est que ça permet de déroger à certaines dispositions de la loi constitutionnelle de 1982, donc des articles 2 et 7 à 15 de la Charte. Et ça ne permet pas de déroger à l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Et donc, certaines dispositions, selon notre opinion, risquent d'être contestées du projet de loi 86 parce qu'ils violeraient l'article 133 auquel on ne peut pas déroger. Mais je vous rassure, les clauses dérogatoires, on peut les utiliser. Ça permet de valider certaines hautes dispositions du projet de loi 96. C'est pas tout le projet de loi 96 qui risque d'être contesté. Combien de vos membres, à votre connaissance, ont une pratique unilingue en anglais? Nous avons 84 % d'avocats qui ont comme langue maternelle le français. On a 10 % d'avocats qui ont comme langue maternelle l'anglais. Le nombre d'avocats ayant une autre langue parlée français, c'est un pourcentage de 16 %. Le nombre d'avocats ayant une autre langue parlée, l'anglais, est 84 % et le nombre d'avocats ayant une autre langue parlée autre que le français ou l'anglais, 18 % Donc, j'imagine, je ne suis pas un juriste, mais que pour obtenir son permis de pratique, ça prend une connaissance suffisante du français, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, c'est une des conditions. Alors, des avocats ont une connaissance satisfaisante du français et choisissent d'exercer leur profession qu'en anglais, c'est bien ça? Et vous demandent de nous dire de rien changer.
Ce n'est pas ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que vous dites, d'accord. Oui. Ce n'est pas ce que le barreau pense et ce n'est pas ce que le barreau prend. Je répète on est en faveur de l'objectif de renforcer la langue française à titre de langue de la législature et de la justice, puis aussi de favoriser l'utilisation de la langue française pour nos membres. C'est ce qu'on privilégie. D'accord. Mais il y a des éléments du projet de loi du ministre, en ce qui a trait aux ordres professionnels notamment, qui ne vous satisfont pas. Vous ne souhaitez pas qu'on en demande plus, c'est bien ça? Bien, ce qu'on dit, c'est qu'il y a certains risques dans certaines dispositions. On pose des pistes de solutions pour que ça permette toujours de nous permettre d'atteindre notre objectif principal, nous, comme ordre professionnel, c'est de protéger le public. En tant qu'ordre des langues et de la langue, l'OTIAC tient à souligner qu'il appuie le projet de loi 96 et qu'il salue la volonté du gouvernement de renforcer à la fois l'usage et la qualité du français. En raison de son champ d'expertise qui lui est propre, l'OTIAC a un double mandat de protection du public. Le premier, il le partage avec tous les autres ordres, c'est de protéger le public contre des préjudices, dans notre cas, dû à une traduction erronée, une terminologie fautive ou une interprétation erronée aussi. Le deuxième mandat qui lui est propre, c'est de protéger la société québécoise contre l'acculturation, l'assimilation culturelle. L'OTIAC est donc, dans les faits, dans un sens, l'ordre de la protection des droits linguistiques. Ce n'est pas le seul organisme qui protège les droits linguistiques, mais il joue un rôle fondamental dans la protection des droits linguistiques des Québécois. Il y a bien des communautés dans l'histoire de l'humanité qui ont été et qui sont encore isolées, mais jamais aucune n'a été entourée d'un bloc aussi imposant et aussi monolithique sur les plans économiques, culturels et linguistiques. Et un bloc qui a en plus la caractéristique de parler la lingua franca, c'est-à-dire la langue la plus répandue et la plus utilisée dans le monde, l'anglais. Elle permet la traduction aux Québécois d'exercer leur droit constitutionnel, je ne suis pas constitutionnaliste, mais c'est quand même un droit constitutionnel, de ne pas parler l'autre langue officielle. Le pays est bilingue, mais pas les citoyens canadiens et québécois n'ont pas à l'être. Les exportations, qui représentent 46 % du PIB québécois, donc 46 cents sur chaque dollar qui est gagné au Québec, dû aux exportations, ça ne peut se faire que dans la langue des marchés cibles. Alors, c'est la documentation, lorsqu'on exporte des produits québécois en Russie, en Allemagne ou en Italie, doit être dans la langue de ces pays-là. Alors, c'est fondamental. C'est donc la traduction un gage d'ouverture sur le monde, du Québec sur le monde, et un rempart contre l'acculturation. Lorsque les citoyens québécois ont droit à avoir une version dans leur langue des textes qui sont prévus à ces articles-là. Cette traduction-là, cette version-là, elle doit être fiable. Et comment on la rend fiable? En certifiant la traduction, en certifiant qu'elle est conforme à l'original. Dans l'état actuel du projet de loi 96, la certification peut être faite par n'importe qui puisqu'on ne précise pas qui est autorisé à la faire. Alors, il importe de préciser que la certification doit être faite par un traducteur ou une traductrice agréée parce que l'OTIAC est le seul à avoir une structure qui permet de certifier la compétence de ses membres. Vous souhaitez qu'on ajoute traduction certifiée par un traducteur agréé. Le fait que ce n'est pas inscrit, ça veut dire que n'importe qui peut prétendre pouvoir certifier la traduction de ces documents-là. Alors, si le législateur a estimé qu'il y avait à ce point des enjeux de protection du public contre des risques de préjudice, qu'il a créé un ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés pour protéger le public contre les risques d'une mauvaise traduction. Alors, il nous semble logique
est cohérent de dire que lorsque la traduction doit être certifiée, elle devrait être certifiée par les personnes qui ont le mandat de protéger le public dans le domaine de la traduction. Quelle est la formation pour être traducteur? C'est une formation qui est tout à fait comparable à celle de tous les membres des autres ordres. C'est une formation universitaire spécialisée en traduction. Dans l'éventualité où on ajoutait le fait que les traductions doivent être certifiées par un traducteur agréé, est-ce qu'il y aurait suffisamment de traducteurs agréés pour répondre? L'Ordre comptait, il y a deux jours, 2588 membres. Et donc, il n'y a pas de problème de nombre de membres. Juste pour peut-être situer les choses là-dessus, notre recommandation 1 qui porte sur les articles 5, 32 et 116, ces documents-là ne représentent pas 1% de la demande de tout ce qui est traduit au Québec. Moins de 1%. Alors arrondissons-le à 1%. La recommandation 2, les jugements et les décisions, c'est encore là à peu près 1% de la demande. La recommandation 3, ça nous amènerait au total peut-être à 10%. Recommandation 1, 2, 3. Au total, 10% de tout ce qui se fait comme traduction au Québec. Comme on est un ordre à titre réservé, et non pas à exercice exclusif, si le législateur décidait de donner suite à nos recommandations, donc d'ajouter les mots « par un traducteur agréé » dans les articles où on fait notre recommandation, il y a un certain nombre des personnes qui exercent en dehors de l'ordre qui demanderaient à joindre l'ordre. Au total, au Québec, selon Statistique Canada, le recensement le plus récent, 2016, 8625 traducteurs, terminologues et interprètes qui gagnent leur vie avec ça au Québec. Et là-dessus, 30%, 2600, sont membres de l'Ordre. Lorsqu'on parle de traduction certifiée, tous et chacun peut faire une traduction certifiée. Oui. Ça fait en sorte que des traductions pourraient être faites ailleurs dans le monde que plutôt qu'au Québec par des gens qui œuvrent dans ce domaine-là. C'est actuellement le cas. C'est actuellement le cas. Et est-ce que vous évaluez, combien de contrats quittent le Québec? C'est très difficile d'avoir c'est extrêmement difficile d'avoir ce volume-là, mais puisqu'on connaît le milieu et tout ça, et qu'on voit comment les choses circulent, on sait que ça se produit. J'oserais pas avancer un chiffre, mais je dirais que c'est pas considérable, mais c'est pas négligeable non plus. Le marché québécois de la traduction est tellement actif et tellement gros, finalement, que nous sommes à peu près le seul pays du monde où un traducteur peut faire carrière toute sa vie en se spécialisant dans un seul domaine. Parce que la demande est suffisante pour ça. Donc, quand un traducteur est spécialisé au Québec, il est vraiment spécialisé parce qu'il a le marché suffisant pour ne faire que ça et donc d'approfondir ses compétences à mesure. Mais vous avez parlé de la qualité comme étant un puissant levier par rapport à combattre l'acculturation qui amène à l'assimilation, ce sont vos mots. Et vous parlez à un gars qui a passé presque 20 ans de sa vie hors Québec. Je comprends très bien ces mots qui font toujours mal à ces sociétés qui sont en train de se faire assimiler, si ce n'est déjà fait dans certains cas. Donc, la qualité est aussi importante que la quantité. Nous, quand on regarde les immigrants, la francisation, tout ça, on regarde des chiffres de quantitatifs. Le qualitatif, il est pour beaucoup aussi, donc. Si les 2600 membres de l'Ordre se mettaient à canceller des appointements dans leur traduction, ça aurait un impact sur la qualité de la langue et ça aurait un impact assimilatoire important. On va canceller votre dernière réponse. Donné la situation tout à fait exceptionnelle dans laquelle on se trouve, entouré d'une mer anglophone, c'est qu'à ce moment-là, on assiste à tranquillement une anglicisation de la langue. Effectivement, il y a un danger pour la langue française un peu partout. En revanche, en France, ça relève un peu de la mode. Ça relève de mode, ça relève de vocabulaire. Ça ne relève pas de structure de langue.
Au Québec, le problème qu'on a parfois et qu'on peut constater, c'est que l'anglicisation se fait dans la structure de la phrase. Et ça, c'est ça qui est pernicieux, finalement. On fait plus d'anglicisme lexical et grammatical qu'on le pense. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors qu'en France, puis je ne vais pas m'étaler là-dessus trop longtemps, mais c'est plutôt un phénomène de terminologie, les trois quarts du temps passagère. D'exercer leur droit constitutionnel de ne pas parler l'autre langue officielle. La loi sur les langues officielles n'est pas une loi qui instaure le bilinguisme obligatoire pour les Canadiens et les Québécois. Que les salaires des 70 traducteurs, c'est pas des milliers, là, 70 traducteurs payés par l'État du Québec, étaient de niveau 3, qui est le niveau le plus bas des salaires de leurs milliers de syndiqués dans le syndicat des professionnels du gouvernement. Pourquoi ils sont si mal payés, les traducteurs? Malheureusement, je pourrais vraiment pas. Mais ils sont peut-être juste 70 pour aller se défendre, là? C'est pas comme... Il y a probablement une question de rapport de force, effectivement. Mais ils ont un baccalauréat obligatoire, donc j'imagine que... Mais là, ils ne sont pas nécessairement membres de votre ordre. Non, là, on touche l'exemplarité de l'État. OK, le ministre prend des notes, là, parce que là, on vient de toucher à quelque chose d'important. Oui. Ils ne sont pas obligatoirement membres de votre ordre, les traducteurs engagés même par l'État. Pas l'article 35.1 dit bien. Il ne peut, le professionnel, dans l'exercice de ses activités professionnelles, refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu'on lui demande d'utiliser la langue officielle dans l'exécution de cette prestation. Mm-hmm. Votre traducteur, membre de votre ordre, moi je vais me concentrer sur votre ordre, soit un spécialiste de l'allemand à l'anglais. Ça se peut, ou de l'allemand à l'espagnol, ou de, bon, du mandarin à l'anglais. Il fait quoi si son métier, c'est faire ça? Il ne pourrait pas refuser un mandat de traduire en français, si je comprends bien cet article-là. Son code de déontologie lui dirait qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas les compétences pour le faire. Alors là, il faut qu'il ait... il a la compétence pour pouvoir traiter avec un citoyen québécois dans sa langue, en français. Okay. Mais pas nécessairement. Parce que là, on parle là, d'un service expert en langue. Okay. Alors, si son expertise, c'est dans votre exemple, l'anglais, l'allemand, alors c'est certain qu'il ne s'aventurera pas à traduire en français. Vous dites la même chose que deux autres ordres, au moins, auxquels j'ai posé la question. Mais c'est un vrai problème, là. Un vrai, vrai problème. Il est bien écrit. Il ne peut, dans l'exercice de ses activités professionnelles, donc la traduction, refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu'on lui demande d'utiliser la langue officielle dans l'exécution de cette prestation. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à notre place? Vous feriez un amendement? Je vais vous laisser... Mais vous dites, ça fait trois ordres qui disent que ça rentre de plein fouet en contradiction avec le code de déontologie. Dans l'exemple que vous donnez, là, cette personne-là ne peut clairement pas donner un service de qualité, un service de professionnel dans un domaine qu'il ne connaît pas. Pour le CPQ, la question de la langue s'associe invariablement à l'amélioration du niveau de vie et le développement économique dans un contexte nord-américain où dominent l'anglais et l'espagnol. Or, nous avons maintes fois déploré un tabou gênant. Le français, au Québec, se porte mal chez les francophones. Un adulte québécois sur deux est soit analphabète fonctionnel. Les conséquences sont terribles. D'abord pour les citoyens eux-mêmes, face auxquels nous avons collectivement échoué. Nous avions le devoir moral de former et d'éduquer ces gens. À leur défi personnel s'ajoute celui professionnel. En août 2020, l'Office québécoise de la langue française révélait que 35 % des entreprises québécoises situées sur tout le territoire rejetaient des candidatures pour un manque de connaissances suffisantes en français, principalement à l'écrit. Et une fois à l'emploi, ces travailleurs se trouvent à la merci d'innovations technologiques et de numérisation qui exigeraient une compréhension plus poussée en littératie ou en numératie. Le problème est enraciné depuis longtemps. De manière récurrente, environ la moitié des futurs enseignants
échouent dans leurs tests de français. Chez les jeunes francophones qui décrochent dans leurs études, lorsqu'ils arrivent au secondaire 5, 75 % échouent en français. Je parle exclusivement des jeunes francophones. Le français est, de loin, leur pire matière. On s'est convaincu dans un certain discours public que l'immigrant était le problème. Or, le Québec est maître d'œuvre dans ce domaine. Il faut protéger le statut de la langue, évidemment, mais il faut absolument que l'on parle de sa qualité. Est-ce que le PL 96 pourrait affecter négativement le climat social et le climat de travail dans nos entreprises? De façon générale, de grands constats se dégagent des consultations auprès de nos membres. En premier lieu, les employeurs sont favorables à la défense et à la promotion du français comme langue de travail, surtout à Montréal, et du rôle qu'ils peuvent jouer pour assurer cette vitalité. Toutefois, l'imposition des lourdes mesures administratives appliquées sans nuance sera très dure, surtout pour les petites entreprises de 25 à 49 employés. En second lieu, les mesures qui limitent la capacité d'embaucher des candidats pour des postes qui exigent la connaissance d'une langue autre que le français ne tient pas compte des entreprises qui font affaire avec le reste du Canada et à l'étranger. Mais surtout, les trois conditions imposées pour éviter d'exiger la connaissance d'une autre langue représentent des obstacles majeurs qui risquent indirectement d'entraver l'organisation du travail, d'affecter grandement les relations de travail et d'imposer un très lourd fardeau administratif et financier aux entreprises du Québec de toute taille. C'est particulièrement vrai dans le cas des PME, car ces conditions imposent des démarches lourdes et complexes qui conduisent à analyser chaque poste auquel est rattachée une exigence linguistique. En troisième lieu, les employeurs jugent trop contraignante toute la question de la primauté du français dans la rédaction des contrats internationaux, mesure pour laquelle le gouvernement s'est lui-même exclu. Nous doutons que les entreprises et les organisations internationales voient d'un bon œil de devoir se plier à ces dispositions lorsqu'elles voudront faire affaire au Québec, ce qui affaiblira la compétitivité de nos entreprises. Enfin, il n'est pas exagéré de prétendre qu'il y a en ce moment une paix sociale concernant l'affichage commercial des entreprises. Plusieurs d'entre elles ont investi des sommes d'argent colossales afin de se conformer à la réglementation en vigueur depuis 2019, et d'autres sont actuellement dans ce processus. La réouverture de ce dossier, qui n'affectera rien dans la qualité de la langue française, risque fort d'envenimer inutilement le climat social actuel puisqu'elle a de nouveaux pouvoirs d'inspection et de dénonciation que nous estimons démesurés. Trois conditions désormais qui vont être établies. Donc, pour l'employeur, il va devoir avoir évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir. Donc, est-ce que l'employé a besoin, dans le cadre de ses tâches, de parler anglais? Deuxièmement, s'il s'est assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel étaient insuffisantes pour l'accomplissement de ses tâches. J'ai d'autres employés. Est-ce qu'ils parlent anglais déjà, mes autres employés? Est-ce que c'est nécessaire que tous les employés parlent anglais? Et le troisième critère, il avait restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l'accomplissement nécessite la langue ou un niveau de connaissance spécifique d'une autre langue que la langue officielle. Donc, est-ce que je répartis mes tâches en anglais sur 10 employés ou je peux le faire uniquement sur 5 employés? Donc, ce sont uniquement les trois critères que l'on rajoute, mais ça va avoir un effet quand même important pour dire, dans le fond, ne faisons pas exprès d'exiger la connaissance d'une autre langue que le français à l'embauche, mais ça ne signifie pas que l'employeur ne pourra pas le faire. Ça ne signifie pas que s'il y a des relations avec l'extérieur, avec le Canada, avec les États-Unis, où il fait des démarches à l'étranger, il fait des affaires à l'étranger, il ne pourra pas le faire. Dans le projet de loi, on parle que l'employeur doit prendre tous les moyens raisonnables pour mettre ces règlements-là en application. Et le ministère de la Justice lui-même, dans son analyse, dit bien, c'est un fardeau administratif qui est dissuasif, donc de l'aveu même du ministère de la Justice. Vous savez, parce que d'après nos membres, ça ne passe pas le test de la réalité, ces trois conditions-là.
le portrait actuellement d'une entreprise au Québec, vous savez, c'est une trentaine d'employés, 5 postes vacants, les gens font des heures supplémentaires. Avec la pandémie, il y a toute la transformation numérique, tout ça. C'est extrêmement difficile de définir qu'est-ce que c'est qu'un poste qui a besoin d'une autre langue, qui n'a pas besoin d'une autre langue. On est en transformation complète. Et cette évaluation-là devra se faire à chaque fois qu'il y a une réorganisation administrative. Donc, ça devient excessivement complexe pour un employeur de déterminer est-ce qu'un poste, au cours d'un an, deux ans, trois ans, il peut changer, la nature du poste peut changer. Vous avez donné l'exemple tantôt au point numéro 2, c'est que si quelqu'un d'autre, par exemple, parle l'anglais, l'espagnol, le mandarin, on n'a pas besoin d'exiger ça à quelqu'un d'autre. Vous savez qu'actuellement, avec la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est vrai à tout moment donné, il y a du rotation de personnel. Donc, il y a deux personnes qui parlent anglais ou espagnol dans l'équipe. Ces personnes-là changent de travail. Alors, on se retrouve avec personne pour offrir le service. Donc, il faut prévoir, quand on est dans l'entreprise, que l'entreprise peut grandir, que les conditions peuvent changer. Et cette flexibilité-là disparaît avec la proposition qui est dans le projet de loi actuel. Flexibilité qui existait dans la charte actuelle, à l'article 46, mais qui, aux yeux des employeurs, disparaît là, avec cette clause-là, à 46.1. Une personne immigrante d'Haïti, Wislaine, est arrivée il y a 3 ans et elle dit « J'ai traversé un parcours à obstacles. Pour moi, c'est un système de freinage, d'exclusion, parce que si tu ne parles pas l'anglais, tu as des problèmes d'abord pour rédiger la lettre de présentation, le CV, et puis par hasard, tu te fais appeler pour une entrevue. C'est tout un calvaire, ce n'est pas anglophone, alors que parfois, tu as toutes les qualifications pour le poste. » C'est clair que si on veut se raconter des histoires d'horreur, on va se prendre des cas comme ça, individuels, qui risquent malheureusement de dévier le débat. L'entreprise à Roberval qui fait des affaires avec l'étranger, puis qui a besoin d'un travailleur qui a une maîtrise de la langue anglaise, il n'y aura pas d'enjeu. Ce qu'on dit, par contre, c'est que peut-être pas que l'ensemble des employés qui sont à Roberval, ça nécessite d'avoir une connaissance de la langue anglaise. Ouais. Et ce qu'on constate, notamment dans la grande région de Montréal, c'est que l'exigence de la connaissance d'une autre langue que le français devient systématique. Ça, vous ne pouvez pas vraiment le nier, là. Écoutez, l'application de ce qu'on pense qui doit être fait, malheureusement, va être plus difficile que ce que ça peut paraître dans le projet de loi. Et on souscrit encore une fois aux objectifs que vous poursuivez. Ça, c'est sans équivoque à cet égard-là. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ça vient enlever une certaine flexibilité puis une certaine agilité pour les employeurs en termes d'organisation de travail. Et malheureusement, ça risque de ne pas atteindre l'objectif que vous poursuivez. Sur la question de l'affichage, on revient au consensus historique avec la nette prédominance. Donc, je comprends que là, certaines entreprises que vous représentez ont un enjeu avec ça parce qu'ils se disent, bien, écoutez, moi, depuis 2016, le règlement a été adopté, puis là, on se conforme à ça, puis là, vous changez encore les règles. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on revient au consensus original et on laisse 3 ans aux entreprises pour se conformer à la nouvelle disposition. Quel est le poids entre les investissements qui vont être faits par les entreprises et le résultat? L'accord de 2016, qui est rentré en vigueur à partir de 2019, a été coûteux pour les entreprises. Les gens du commerce de détail vont venir vous en parler plus tard cette semaine. Ça a été extrêmement coûteux, extrêmement laborieux, et il y avait quand même un consensus. Là, on rouvre ce débat-là, qui va nécessiter des investissements supplémentaires. Et honnêtement, est-ce que le fait d'afficher le magasin XYZ plutôt que XYZ va faire en sorte qu'on va parler plus français ou un meilleur français en entreprise? Alors, c'est exactement un exemple à nos yeux, où on va mettre beaucoup d'argent sur de l'affichage, sur des pancartes à l'extérieur, au lieu de s'occuper de la qualité du français, des cours de francisation. Donc, c'est là que le bas blesse, parce qu'on rouvre encore un débat. C'est une boîte de Pandore qui risque encore de causer différents types de heurts là, au niveau des entreprises dans leur affichage. Donc, c'est pour ça qu'on est... ce que l'on propose au gouvernement, c'est celles qui sont déjà conformées au règlement, laissez-les tranquilles, puis les nouvelles... qu'on puisse avoir des dispositions qui soient adaptées, mais dans le futur. La question de prévisibilité pour une entreprise, c'est fondamental. Et à la page 11, vous dites carrément qu'on devrait retirer carrément l'article qui traite des 25-49 employés. Et il est clair que pour les plus petites entreprises, et c'est un peu un plaidoyer du cœur que je viens vous livrer cet après-midi, ces hommes et ces femmes d'affaires qui, actuellement, dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, entre autres, font des pieds et des mains, font preuve d'une résilience incroyable. Et les employés également font preuve d'une résilience incroyable. Malheureusement, la crainte que nous avons et qu'ils ont,
c'est que la lourdeur administrative de l'administration de cette nouvelle loi risque de leur causer plus de problèmes. Et de notre côté, on pense également que ça ne rejoindra pas l'amélioration de la qualité de la langue française. Parce qu'il est clair que dans le même sondage que vous avez cité tout à l'heure, Madame la députée, que nos membres nous ont également lancé un cri d'alarme important concernant la qualité du français.